بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم حديث rapporté par Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه ألو صحابي لا أبو موسى الأشعري يقول الأشعري parce qu'il est sorti dans une tribu qui appelle tribu de l'Ash'ar qui est sorti Yémen. Donc أبو موسى الأشعري رضي الله عنه est sorti là-bas. Et أبو موسى الأشعري رضي الله عنه il a beaucoup de particularités parmi les sahabas. Par exemple, une de mes particularités, c'est qu'il dit le Coran bien, avec une très jolie la voix que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bien content, écoute-le. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, « Laqad outita mizmaran min mazamiri Ali Daoud. » Certainement, tu fais gagner une flûte parmi mes flûtes de Ali Daoud depuis Daoud alayhi salam, le prophète Daoud alayhi salam, sur peuple. Qu'est-ce que ça veut dire sa flûte là? Ça veut dire qui Daoud alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala te donne lui avec ce peuple une particularité, c'est qui je n'ai extrêmement joli la voix. Quand je te récite livre qui t'est révélé aux autres, donc Zabour, je te récite lui bien, je te fais Allah sur tasbih, je te fais Allah sur louange, Allah sur zikar, je te d'après certains man commentaires, je te lire man comme on nous dit, Anashid, Ban Qasaid, avec un tellement joli la voix, qui Daoud, alayhi salam, quand il peut lire, Ban Montagne, avec Ban Zouazou, tu peux lire ensemble avec lui. Allah, subhanahu wa ta'ala, tu donnes lui, Ban quelque chose qui, par exemple, Ferraille, tu viens de mou pour lui. Wa alanna lahul hadid. Quand il peut taper Ferraille, tu peux venir de mou, tu peux façonner lui, comme il peut envie, hein, avec cela. Donc, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, Rasul sallam, j'ai dit, tu as fait une flûte depuis une flûte de Ali Daoud. Ça veut dire, il peut faire référence à cela, voix qui est bien jolie quand il peut lire le Coran, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu es content, écoute-le, et Rasul sallam, tu fais aller un gouverneur pour Yémen, là, il est sorti là-bas même, et tu conseilles quand il peut aller le montrer dans le Coran. Et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, les fins faire hijra plusieurs fois, les fins faire hijra vers Abyssinie, les fins faire hijra vers Madina Sharif. D'ailleurs, les temps les civils, les types étendés qui est un prophète invini. Alors, dans ma cas, l'envie connaît, l'in voyager, l'in aller, l'in jeune Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les fins amen iman, l'Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'y retourne de tout l'endroit, Yémen, al faire da'wa là-bas, al montrer du monde l'islam. Quand on t'a dit qu'ils m'ont quitté mon Al-Madina Sharif, là, tu venais ensemble là-bas. Les temps l'entendaient que Rasoul Sazim fait hijra, li, in al-Jouenli, dans Madina. Donc, ça, c'est un petit peu, en bref, Abu Musa al-Ash'ari, il est bon, nous prend-il le temps, nous fait connaissance, un tigin, ban sahaba, à travers sa ban hadith. Là, donc, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporté, il dit Su'ila Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ani rajul. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit questionner un djimoun fin djiman li concernant un djimoun qui li yuqatilu shuja'atan li la guerre. Ça veut dire li fait djihad pour shuja'a, ça veut dire pour bravoure, pour courage. Hein, il y a courage, il y en a la force, il y a un grand guerrier, alors il y a la guerre comme ça. Hein, il y en a beaucoup de guerriers dans l'histoire qui reconnu pour votre courage, pour votre bravoure. ويقاتل حمية وسواء انجمون كلي للاجر pour défendre une cause pour défendre quelque chose pour défendre un c'est pas un territoire un groupe d'imoun un pays par exemple ça c'est un cas qui nous trouvait beaucoup dans l'histoire même à ce stade là انجمون pour la guerre pour défendre un territoire pour défendre un pays pour défendre une cause ويقاتل رياء وسواء انجمون لي l'ipé la guerre par ostentation. Ria, comme on nous connaît, c'est pour montrer du monde. Ria,
considéré comme un type de shirk. Ça veut dire qu'il peut faire quelque chose pour montrer du monde. Il peut la guerre pour montrer du monde qu'il peut la guerre. Pour que du monde dise de lui ben, quelque chose élogieux. C'est un grand guerrier, un grand, il fait djihad, il fait un shahid. Donc, trois qualités du monde. Un qui la guerre à cause de son courage, à cause de son bravoure. L'autre là, il la guerre parce qu'il peut défendre une cause sur un territoire. L'autre là, il peut la guerre avec ria, pour montrer du monde. Donc, avec l'hypocrisie. Ayu dhalika fi sabilillah. Lesquels dans sa bande là, les considérer comme étant fi sabilillah, dans Allah ce chemin. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, fa huwa fi sabilillah. Celui qui libère la guerre pour qui kalimatullahi hiya al-ulya, ça c'est un thème qui vient dans le Coran, pour qui Allah soit kalima, Allah soit parole, Allah soit mention, il vient plus haut que tout. Ulya veut dire plus haut. Allah vient plus haut que tout, Allah soit considération, Allah soit mention, vient plus haut que tout quelque chose. Ça dit monde qui fait la guerre pour ça là, fa huwa fi sabilillah, lui dans Allah ce chemin. Pas celui qui fait la guerre parce qu'il est brave, parce qu'il est courageux. Pas celui qui fait la guerre parce qu'il peut défendre une cause. Et surtout pas celui qui fait la guerre pour montrer du monde. Celui qui dans fi sabilillah, c'est celui qui fait la guerre pour qui Allah subhanahu wa ta'ala sa parole lui vient plus haut comme Rasoul sallam dit mon fin gain l'autre pour lutter jusqu'à qui du monde témoigne fait shahada jusqu'à qui du monde accomplir salat, donne zakat, ainsi de suite. Donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'autre vient avant, Allah subhanahu wa ta'ala, sur mention vient là-haut, tout bon les autres quelque chose. Alors, là-dedans, définitivement, on apprend concernant l'intention avec laquelle un djimoun peut faire une quelque chose, ça la guerre, ça la lutte là. Et dans l'autre hadith, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne trois djimoun encore. Un djimoun qui lit quand il peut le rendre compte, ça djimoun là, il est un shahid. Il fait djihad, il est shahid. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer lui tout bon faveur qu'il fait pour lui, il pour reconnaître ce bon faveur là. Allah pour dire, mais qui te fait faire avec ça? Il pour dire, ya Allah, mon fin shahid, mon fin la guerre, mon fin shahid de te simé. Allah pour dire, lui, tu as une cause menti. Tu fin la guerre pour que du monde dise, tu es un grand guerrier, tu es brave. Et ça même, du monde fin dire. Et Allah pour donner l'autre, traîne-lui le sophigué, zet-lui dans du fait. L'ingain est au crédit devant du monde. Un grand guerrier, ça. Un shahid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté parce qu'il n'y a pas bon. Il n'a pas fait ça pour qu'Allah soit parole. Il n'a pas fait ça pour Allah, il n'a fait ça pour du monde dire quelque chose. Deuxième du monde, il n'a pas de din, il n'a pas de din, il n'a pas de Coran, il lit le Coran bien. Et le temps qu'il rend compte, Allah présente tout le faveur qu'il fait, il reconnaît. Et Allah dit qu'il te fait avec sa main quelque chose là. Il dit bien, mon apprend Coran, mon apprend din, mon enseigne din, dit mon apprend Coran, mon lit Coran bien. Allah dit qu'il te fait cause menti. Ton apprend din, ton enseigne din, ton lit Coran, pour que dit mon dieu, tu es un alim, pour que dit mon dieu, toi tu es un qari. Et ça même dit mon india. Il fait une gagne, renom avec ben dit mon, c'est un grand alim, c'est un grand qari ça. On écoute les lire. Mais Allah n'a pas accepté. Lui aussi pareil, il traîne les étlis dans du fait. Troisième du monde, lui, Allah finit de lui beaucoup du bien. Et lui finit dépense ce du bien dans beaucoup de façons. Et, comme on dit, lui finit de faire ça d'accord. Le temps, lui rend compte, toujours montrer lui tout bon bienfait qu'il fait, lui reconnaître, pour dire, mais qui te fait avec ça? Lui vous dit, je ne vais pas laisser aucune occasion passer quand je finis donne, quand je finis donne. Dans ce chemin Allah, vous finissez donner, vous finissez dépenser. Allah dit, tu peux cause menti. Tu finis dépenser pour que du monde soit généreux. Et ça même du monde dit. Donc, lui aussi pareil, traîne-lui, zet-lui dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté. Pourtant, Allah nous donne sur la vie. Qui lui donne? Il donne sur la vie. L'autre là, il donne sur la vie dans apprendre, dans enseigner, dans lire le Coran. Il a un petit bon travail qui ça? Lire le Coran. Et là, l'autre là, il prend sur l'argent, il dépense. Dis-moi une cause, combien de bon causer l'autre, mais Allah n'a pas accepté. Qui fait? À cause de Niya, pas si bon. Alors, ici aussi nous trouvons, c'est lui qui, quand il lutte, quand il peut faire ce djihad, djihad pour nous, ça ne veut pas dire que nous
nous pas considérer ça hadith là parce que nous pas pour faire jihad. Non, nous pas pour faire jihad. Pas avec Zahom, mais nous besoin faire jihad contre beaucoup d'affaires, contre nous-mêmes pour commencer, hein, contre ban mauvais quelque chose qui est dans nous et autour nous, pour qui nous faire ban quelque chose améliorer. Qui faire pour qui nous faire Allah subhanahu wa ta'ala sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala sa considération, sa zikr vin là haut tout quelque chose. Et comment nous pouvons faire ça? Nous avons dit, ben nous peinons contrôle, comment nous peinons l'homme, nous n'avons pas besoin de l'homme, nous avons un territoire qui nous a contrôlé l'eau sans qu'il nous besoin de l'homme. Un premier territoire, c'est nous l'esprit, nous avons contrôlé l'eau. Nous l'équerre, nous l'environnement, nous la case, nous place que nous travaillons. Et nous avons beaucoup de territoire que nous avons contrôlé l'eau. Est-ce qu'il nous peut lutter? Pour qui ça va en territoire là, Allah, sa parole, vient plier qui tout? Est-ce qu'il dans nous l'esprit, Allah, plie important qui tout? Est-ce qu'il Allah, sa parole, sa considération? Les plie important, les gagne priorité, l'autre tout à fait dans nous l'esprit, dans nous le cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous contemple plus qu'il y a Allah? Ou soit est-ce qu'il y a Allah même qui nous contemple plus qu'il tout? Nous n'en la lit pour faire, nous n'en jihad pour faire pour ça. Dans nous la case. Est-ce qu'il dans nous la case, Allah, sa parole, plie là-haut qui tout? Ou soit il y a les autres quelque chose qui passe là-haut Allah sa parole quand il arrive là pour faire namaz. Qui priorité il y a? Quand il arrive là pour prendre Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre Allah sa parole, Allah sa considération, sa load. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'exemple, prend ça mettre là-haut parce que ça même c'est moyen pour nous enlever Allah sa parole. Hein? Si nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous comptez en Allah, in kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi. Alors ça, l'enseignement, suivre Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il s'assimile là qui priorité devant nous là pour que nous mettons Allah subhanahu wa ta'ala là-haut tout? Dans nous la case, dans nous travail, dans nous la place que nous évoluer dans le territoire dans lequel nous avons contrôle. Est-ce qu'il est comme ça? Donc, nous sommes capables de faire une façon qui nous vienne, fi sabilillah. Quand nous livrons la lutte par moyen qui nous est là, dans circonstances qui allaient mettre nous livrons la lutte, que tout le temps nous peut faire Allah subhanahu wa ta'ala vin là-haut. Là, nous pouvons considérer comme fils abilillah. Un petit exemple, comment nous trouver dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarja. C'est lui qui nous sortit. Fi talab al-ilm, li final reconnaissance, li final apprendre. Alors, ça dit mon là, li considéré comme étant fi sabilillah, dans Allah ce chemin, jusqu'à qu'il y retourne. Ça, c'est un autre lalit encore pour nous mettre Allah subhanahu wa ta'ala là-haut, parce qu'il nous besoin passe pas la connaissance. Par exemple, nous pouvons apprendre un tigin, nous pouvons masjid, nous pouvons apprendre un tigin, hadith, nous mettre dans nos niyats qui, laisse-moi aller, moi l'apprendre un tigin, moi faire Allah sur ibadat. Après, moi, prendre un tigin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Avec sa niyat là, nous faisons sortir dans talabul ilm. Et donc, comment nous sortons nous la case, nous considérer comme étant dans Allah ce chemin. Jusqu'à qu'il nous retourne la case. Comme ça, il y a beaucoup ban éléments, il y a beaucoup ban l'enseignement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous, pour qu'il nous fait nous la vie nette, vin, en la vie que nous considérer comme étant fi sabilillah dans Allah ce chemin. Donc nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il donne nous tawfiq, livrez-nous la lutte pour qu'il nous rentre dans ce chemin et nous reste dans ce chemin et qu'il y prend nous roux alors qu'il nous encore dans ce chemin. Nous considérer comme étant fils abilillah. Et surtout, qu'il donne nous tawfiq, dresse-nous l'intention. Nous ne pouvons pas faire quelque chose pour Dimoun, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour les autres objectifs. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui donne nous tawfiq faire quelque chose d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est une condition pour qu'il nous aille vers Allah subhanahu wa ta'ala.